Better to die on your feet than to live on your knees. Right? Yeah. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Series, saison 4, épisode 28. Cette semaine, on s'arme de courage et d'une grande quantité de mouchoirs pour retrouver les femmes en rouge de The Handmaid's Tale. Pain makes your world very small. My world has been this room. Today I venture forth. Lancé en 2017 et adapté du roman de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale a su capter et accompagner notre époque et nos combats. This is the start of a new adventure. Ce récit poignant, tout en douleur et en militantisme, sert de miroir à une société dans laquelle les droits des femmes sont sans cesse remis en question, rappelant scène après scène que la liberté n'est jamais acquise. God has forsaken this place. I'm sorry, are you all right? Dans cette quatrième saison, alors que les enfants de Gilead ont été exfiltrés au Canada grâce à une chaîne de solidarité entre les Martha, June continue de lutter contre cette dictature, quitte à tout perdre. She has eluded your soldiers for 19 days. She's out there planning who knows what kind of atrocities to visit upon our righteous nation. Make me proud. I will. Find her and bring her to me. Avec Catherine Rochon, rédactrice en chef de Terra Femina, et Anne Berest, scénariste de Mytho, nous avons exploré cette série nécessaire. Avant qu'on parle de la saison 4, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle représente pour vous, The Handmaid's Tale, personnellement, et qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans le paysage sériel, est-ce qu'elle a provoqué des choses ou changé des choses dans le monde des séries? Alors pour moi, c'est une série à part dans le sens où j'avais rarement vu une série aussi féministe, tant dans son propos que dans son regard. Il y a une vraie acuité politique. On assiste à la dissection en fait d'une société patriarcale et elle donne à voir en fait à quel point lorsqu'un système est gouverné entièrement par des hommes, les femmes, ils sont blessées, ils sont humiliées, ils sont infantilisées. On les fait quasiment disparaître, en fait. Il y a aussi tout ce panel de thématiques féministes qui est extrêmement dense. Donc on a évidemment le droit à disposer de son corps, la GPA, la sororité, l'intersectionnalité, le viol, enfin les violences faites aux femmes. Donc ça, c'est passionnant également. Et puis, évidemment, c'est une série qui est instantanément iconique, donc avec ces fameux costumes, ces habits rouges, les bonnets blancs, et puis cette photo qui est absolument sublime, le casting qui est merveilleux. Donc pour moi, ça reste une série, l'une des meilleures séries de ces 5 dernières années, si ce n'est les 10 dernières années. Moi, je sais, ce qui m'a vraiment frappée, c'est un choc esthétique. Et ce choc esthétique vient du mélange entre la modernité et les costumes anciens. Et je me rends compte, avec le temps, qu'il y a des moments dans ma vie quotidienne où tout d'un coup, j'ai l'impression d'être dans l'univers d'Handmaid's Tale, ou en tout cas, j'y pense, j'y fais référence à cause de cette esthétique qu'ils ont imposée et qui nous marque avec le temps. Ça, c'est la marque des grandes œuvres. On se disait, et c'est vrai, la saison 1 est sortie, c'était un phénomène incroyable. Et à la fin de la saison 1, se pose ce problème qu'on rencontre beaucoup d'auteurs, beaucoup de showrunners, c'est comment je rebondis, en fait, après ça. C'est la plus grande difficulté des scénaristes et des créateurs de séries. Pourquoi ? Une saison 1, vous mettez des années à la construire. Et en plus, dans le cadre de La Servante Écarlate, il y a un livre. Ce livre lui-même a demandé des années d'écriture. Ensuite, il faut des années d'écriture pour construire et convaincre ta saison 1. Donc, ce sont des années de travail qui sont pensées. Et puis, tout d'un coup, on dit, t'as 6 mois pour écrire la saison 2. Je défie quiconque de réussir
à imposer un talent d'écriture qui soit aussi puissant qu'une saison 1. Et donc c'est vrai que c'est très très difficile et souvent les spectateurs sont déçus par les saisons suivantes, mais c'est à cause de la contrainte de la fabrique qui est dans l'urgence et la rapidité. Et là on est à la 4e saison. Il y a eu un petit ventre mou, quoi. Il y a eu un moment dans la saison 3 où on s'ennuie un peu. Comment vous êtes rentré dans cette saison, et, enfin, dans les premiers épisodes qu'on a vus, et quel effet ils vous ont fait ? Alors donc moi j'attendais, parce que j'attendais hein, quand même cette saison 4, j'ai ressenti cette forme de redondance avec des espèces de gimmicks en fait, qui devenaient limite un peu agaçants, ces gros plans sur le visage de June. C'est ralenti, alors certes très léché, hein, la réale est magnifique. Mais on a ressenti une forme de surplace et un peu de lassitude, en fait. Du coup, j'étais quand même à la fois dubitative, mais en même temps très intriguée. Et puis, il y a également le fait qu'on entre dans une ère post-Trump. Et donc, c'est intéressant de voir comment le sous-texte politique, qui est quand même très important dans la série, va accompagner aussi cette Amérique post-Trump. How did you escape? I heard they kept you in chains. Not exactly. Actual fucking sex slaves in America. We weren't in America. Yeah, I guess not. Well, welcome back. It's a fucking disaster. J'ai envie et j'espère qu'ils vont réussir à bien travailler et construire ce qui se passe en dehors du monde carcéral et ce qui se passe au Canada, comment ils vont inventer ça, rebondir là-dessus. Là, je crois qu'il y a vraiment un champ des possibles. Et en tout cas, en tant que scénariste, c'est vrai que moi, je me serais attelée à dire « Ok, on va voir comment on peut aller au bout de ça, puisque à l'intérieur de la dictature, on a un peu tout visité. » It's different here, huh? I hate it. You keep saying that. I miss my Martha. In my room. And my mom and dad. Yeah. Those people are not your mom and dad, sweetie. Please tell him. He won't listen to me. It's better if you don't correct him. He needs to feel what he's feeling. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans cette saison 4 particulièrement, c'est qu'on éclate le récit tout doucement et on disperse les personnages. Et on les découvre mieux, en fait, parce qu'ils sont plus dans l'ombre les uns des autres. Moi, il y a vraiment ce trio June, Serena, Tante Lydia, que je trouve merveilleux. Et notamment dans cette saison 4, l'épisode 3, qu'on peut appeler, je sais pas, la torture de June ou la captivité de June, où on voit le rapport de Lydia à June qui est, mais d'une complexité. C'est-à-dire que, et aussi Ando, de l'actrice qui incarne Tante Lydia, elle arrive à faire pitié, énerver, faire peur. Elle arrive à créer tout en 5 minutes. Enfin, je sais pas du tout comment elle fait. Mais le rapport de ces trois femmes, il est quasiment inexplicable à quelqu'un qui a pas vu la série. Tellement il s'est complexifié, tellement les caractérisations bougent, quoi. Hello, dear. Thank you, Commander Blaine. Of Joseph is in good hands. I am here as her advocate. Think of me as a guardian angel. Oui, Aunt Lydia, pareil, il y a cette ambivalence, c'est-à-dire elle s'est quand même présentée, elle se présente comme la protectrice en fait des servantes, et en même temps, on va la voir les humilier, les blesser de manière répétitive. Pour moi, elle incarne vraiment cette dérive en fait du fanatisme religieux. Et le pire dans ce personnage, c'est que je pense pas qu'elle prenne son pied en fait à blesser les servantes, c'est qu'elle y croit, elle est aveuglée en fait par sa foi. Et c'est en fait aussi la force de cette série, c'est que en fait les monstres sont terriblement humains, quoi. Et c'est ce qui les rend finalement absolument terrifiants, quoi. You wicked, wicked girl. All those children taken from their homes.
Did you give one thought to their poor parents? Did you think about how I would feel? You have caused so much pain. I hope you're happy with yourself. La série ressemble à la vie dans son rapport au temps. C'est-à-dire que dans la vie, si tu dois expliquer ton rapport avec quelqu'un, tu peux pas le définir en une phrase. Et je pense que l'émergence de la série dans le domaine de la fiction, c'est vraiment que soudain, tu as un rapport au personnage qui ressemble très proche à l'expérience vécue dans la vie réelle. Ça tient aussi à la manière dont elles sont filmées. On voit au fur et à mesure des épisodes que ce sont principalement des femmes qui filment. Qu'est-ce que vous trouvez que ça apporte quand vous regardez la série ? Ce fameux regard féminin est absolument essentiel, en fait, notamment dans cette série-là, qui traite notamment des violences faites aux femmes. Il y a aussi ce refus absolu d'érotiser le viol. On voit bien, à la fois dans la mise en scène, le viol est filmé de manière très mécanique, très froide, et on ressent en fait la douleur, la sidération. Toutes ces violences en fait sont vécues à travers le regard des victimes. Ça, c'est essentiel en fait que ce soit des femmes qui traitent ces problématiques-là. Moi, j'ai l'habitude d'aller sur des tournages, d'assister à une fabrique en train de se faire. Et je pense qu'une actrice ne donne pas la même chose dans ces moments où physiquement, ça va très 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 loin. Et je pense qu'avec des femmes, elles ont une confiance et elles donnent quelque chose qu'elles ne donneraient pas forcément de la même façon si c'était un homme à la caméra. Il y a des exceptions, d'accord ? Mais c'est très juste par rapport à ce que tu dis. L'actrice ne doute pas de l'utilisation que l'on va faire de son visage au moment de la souffrance. Parmi ces réalisatrices, pour la première fois dans cette saison 4, Elisabeth Moss est passée derrière la caméra. C'est assez étonnant parce que c'est un épisode dont elle est vraiment le pivot, c'est-à-dire que la série s'échappe un peu effectivement au Canada, etc. Mais cet épisode-là est vraiment centré sur elle et sur sa douleur. Est-ce que ça a rapport justement avec ce que vous dites ? Je veux contrôler ce qu'on va montrer dans cet épisode-là qui raconte la douleur de mon personnage. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Je trouve ça très intéressant justement qu'elle se saisisse de la caméra. Il y a une forme d'empowerment de l'actrice en fait dans la prise en main du destin de son personnage. Et c'est pile aussi au moment où June se transforme aussi en guerrière un peu badass quoi. Donc pour moi c'est très symbolique. This is where we are. Well, go fuck yourself. Moi, ce que j'aime dans la série, et c'est pour ça que j'aime en écrire, c'est que la série est l'endroit de la communauté et de la création à plusieurs. Au bout d'un moment, sur une série, tu ne peux plus dire à qui elle appartient. Est-ce qu'elle appartient au réalisateur ? Est-ce qu'elle appartient à l'auteur ? Est-ce qu'elle appartient au comédien ? Elle est le fruit du travail de tous. Qu'elle ait voulu réaliser un épisode est vraiment comme une continuité naturelle de ce travail communautaire où tout le monde met la main à la pâte pour produire le meilleur. Moi, je m'interroge toujours sur l'effet qu'a la fiction sur nous, enfin l'art d'ailleurs en général. Est-ce que vous pensez qu'une série comme Handmaid's Tale, par exemple, peut envoyer voter des gens qui ne votaient pas avant, ou des choses comme ça ? En fait, on a pu voir à quel point le propos politique de Handmaid's Tale entrait en résonance avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Et en fait, au fur et à mesure de sa mandature, on a pu voir quand même que c'était, y avait un glissement qui était toujours possible en fait, et qu'une société tétanisée par la peur peut très rapidement basculer vers l'obscurantisme, vers le totalitarisme, et qu'il en faut vraiment très peu en fait pour que les droits, nos droits, soient attaqués. Donc je pense que oui, il y a quand même possiblement une prise de conscience aussi à se mobiliser, un appel quand même assez puissant à résister aussi à ce glissement-là qui est quand même absolument terrifiant quoi.
Oui, puisque je parle de Trump, mais on peut aussi parler de MeToo. C'est-à-dire, c'est aussi la série de MeToo, The Handmaid's Tale. Elle est vraiment arrivée dans un contexte sociétal et politique qui lui correspondait complètement. Moi, je pense que, en effet, le pouvoir des séries est immense. Et que c'est vraiment un endroit politique. Et que c'est très important. Et que c'est pour ça aussi que ça me passionne aujourd'hui de me dire, OK, si on doit proposer de nouvelles séries au monde, comment est-ce qu'on devient acteur de ce monde? Comment moi, dans mon travail de scénariste, je peux aussi mélanger et mes préoccupations d'individus dans la société et un épanouissement créatif dans la série. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, il faut penser le monde et la politique à travers notre écriture. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, nous rencontrerons Anya Marquardt, nouvelle showrunneuse de The Girlfriend Experience. I've really enjoyed getting to know you. Allez, à la semaine prochaine.